Anarchiste en chanson, voix de l'égalité, mes hommages en musique. C'est par où l'anarchie? Ah, voici Pierre Kropotkine, le prince qui a préféré l'anarchie plutôt que les palais dorés. Ce géographe de formation a cartographié les chemins de la révolution sociale. Son intelligence, utilisée à science pour prouver que l'entraide vaut mieux que la compétition. Alors partons de suite dans l'univers de Kropotkine, l'aristocrate qui a fait de l'anarchie une science exacte. Das Land aux steppes glacées. Un prince s'éveille, l'esprit en éveil. Kropotkin, par la science guidée, trace sa voie rebelle et sans pareil. De Moscou à la Sibérie, il observe. La nature lui révèle l'entraide. D'un monde sans hiérarchie, il conserve cet espoir comme solution remède. Pierre Kropotkine, géographe rebelle. Kropotkine, révolution. D'un état et le capitalisme se dresse. Kropotkine, de l'entraide, il fait sa loi naturelle. Révolution. Kropotkine, sa pensée transgresse. Sans oppression. La Sibérie, sourde observation. Et la vie animale devient inspiration. Pour une société sans coercition, où fleurit la libre association. La conquête du pain, son cri de ralliement, pour nourrir les corps et libérer les âmes. Du communisme libertaire arguant, pour un futur sans chaîne, sans blâme. Pierre Kropotkine, géographe rebelle. Kropotkine, révolution. Kropotkine, l'entraide, il fait sa loi naturelle. Révolution. Kropotkine, sa pensée transgresse. Sans oppression. Scientifique, explorateur et penseur, il unit la théorie à la pratique. De l'anarchie, il est le grand précurseur. Sa vision du monde est systémique. De Clairvaux à Londres, sa voix résonne pour l'émancipation de l'humanité. Son message d'espoir toujours résonne pour un monde d'amour et de solidarité. Pierre Kropotkine, géographe rebelle. Kropotkine, révolution. L'État et le capitalisme se dressent. Kropotkine, de l'entraide, il fait sa loi naturelle. Révolution. Kropotkine, sa pensée transgresse. Sans oppression. Et dans chaque lutte pour la liberté, son esprit rebelle continue d'inspirer. Pierre Kropotkine, prince déchu éclairé, son rêve d'anarchie ne cesse de briller.